Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio de Vie, il est 20h pratiquement 50 heure locale. Nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Merci pour votre présence, merci pour vos prières, vos soutiens qui nous vont tout droit au cœur et que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun de vous. Nous savons que chaque soir vous êtes connectés, n'est-ce pas, sur ces médias TV et Radio de Vie, afin de participer, de suivre les enseignements que Dieu nous donne, et aussi de nous partager aussi vos expériences. Que le Seigneur soit béni pour cet engouement qu'il met dans nos cœurs. Père, au nom de Yeshua, nous te prions, merci pour nos bien-aimés qui sont connectés ce soir, Papa. Nous te prions, Adonai, Dieu d'Israël, de nous conduire en toutes choses. Nous voulons te voir glorifié, magnifié, exalté, Seigneur, et que ta parole soit honorée encore ce soir. En ton nom, Yeshua, nous te prions, Adonai, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons ce soir parler des caractéristiques des prophètes authentiques. Voilà. Donc, les caractéristiques d'un prophète authentique. Voilà, ou prophétesse, peu importe. Donc, on va se balader un peu dans les Écritures. Mais bien avant cela, je tenais d'abord à vous présenter le dernier numéro de, n'est-ce pas, notre journal, les Dokimos. Donc, voilà, je demande à mon frère Julien de nous faire un petit, petit réglage, là, voilà, parfait. Et tu zoomes, là, c'est nickel. Donc, les documents, c'est le dernier numéro, il est encore plus beau. Voilà, merci Seigneur hein, pour ce beau travail que ton esprit fait. Et merci encore à l'équipe des documents hein, qui travaille d'arrache-pied pour ce travail magnifique, fabuleux, qui honore le Seigneur notre Dieu. Voilà, donc il y a des belles choses à l'intérieur, donc des enseignements très très édifiants et qui pourront vraiment vous aider à vous instruire, à vous, n'est-ce pas, à être fondé, hein, vous amener à être fondé, n'est-ce pas, sur la saine doctrine. Donc que le Seigneur soit béni. Donc comme vous le savez, tout est gratuit, donc vous pouvez le commander. Hein, sur nos sites respectifs. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, vous pouvez directement aller sur le site de Dokimos. Voilà, que Dieu soit béni. En tout cas, je suis très, très touché par la qualité, non seulement de l'enseignement, et aussi de, voilà, du travail. Hein. Donc, vraiment, c'est magnifique. Le Seigneur est honoré, que Dieu soit béni. Donc, voilà, nous allons parler des caractéristiques des prophètes de Yahweh, des prophètes authentiques. Pourquoi? Parce que ben, justement, nous sommes dans une époque de confusion. Et les enfants de Dieu que nous sommes, que vous êtes, ont besoin, nous avons besoin d'être éclairés, hein, n'est-ce pas, sur la parole du Seigneur. Et vous savez que les prophètes existent encore. Dieu est le Dieu prophétique. Le Saint-Esprit est l'Esprit prophétique. Et celui qui, comme vous le savez, a inspiré les Saintes Écritures. Celui qui nous enseigne l'Évangile, celui qui nous aide à le comprendre. Et donc, oui, nous croyons que Dieu continue encore à parler aujourd'hui. Et bien évidemment, les prophètes actuels, les prophètes d'aujourd'hui ne sont pas ceux-là qui vont, ne sont pas appelés à, n'est-ce pas, remplacer les Saintes Écritures. Et parce que le canon biblique est déjà complet, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de problème. Et les révélations, les enseignements que Dieu donne à ces hommes et ces femmes qu'il a mandatés, ne sont rien d'autre que la parole que contient ce livre, donc la Bible. Voilà. Donc, ce ne sont pas de nouvelles révélations, parce qu'ils ne reçoivent pas des révélations, mais des illuminations pour amener le peuple à saisir la pensée du Seigneur pour le temps dans lequel nous sommes. Voilà. Donc, il est important de savoir cela, de comprendre que Dieu parle encore, qu'il y a encore des prophètes, que Dieu envoie encore des prophètes, des ministres prophétiques, je dis bien hommes et femmes. Voilà. Et d'ailleurs, tous les chrétiens sont des potentiels prophètes, dans la mesure où le prophète est celui qui parle aux hommes de la part de Dieu. Étant donné que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit, hommes et femmes, donc ils sont des potentiels prophètes, dans la mesure où ils sont appelés à parler de Dieu aux hommes, à leur entourage, à leur famille, à leurs parents, à leurs enfants, à leurs parents, à leurs amis, à leurs collègues au travail, peu importe, à leurs amis à l'école. Et donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à témoigner de Christ partout. Donc, nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons l'Esprit prophétique, nous sommes des potentiels prophètes.
Donc, ne pensez pas que je viens ici pour élever une personne en particulier. Bien sûr, notre enseignement est basé sur le Seigneur Yeshua. Lui seul et lui seul doit être glorifié, élevé, magnifié. Mais toutefois, nous devons aussi apporter des enseignements, d'autres enseignements pour qu'il y ait un équilibre. Voilà. Donc, on nous dit dans les dans la Bible que par un prophète, Dieu va, n'est-ce pas, libérer les Hébreux. Hein? Donc, Dieu va envoyer son prophète, n'est-ce pas, Moïse, pour libérer ses serviteurs. Et dans les Écritures, il nous est dit, on va prendre la parole dans le livre d'Amos, chapitre 3. Voilà, Amos, chapitre 3. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut nous faire la lecture, afin que tout le monde puisse participer. Amos, chapitre 3. Ah, Evelyne, tu peux... Voilà. Oh, si tu l'as trouvé. C'est... Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique, c'est bon, c'est parfait. Alors. Amos, chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans savoir révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait pas effrayé. Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui pourrait ne pas prophétiser ? Waouh ! Donc, c'est clair, hein? Donc, nous sommes tous d'accord que c'est la parole du Seigneur. Et Dieu, nous dit la parole, ne fait rien. Ça, c'est le prophète Amos qui parle ici, n'est-ce pas ? Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, les prophètes assistent au conseil de Dieu. Ça, c'est important de le savoir, frères et sœurs. Les prophètes assistent, participent au conseil divin. Et ensuite, ils vont vers les hommes et les femmes auprès de, vers lesquels Dieu les envoie pour délivrer un message. D'accord ? Donc, quand Amos ici dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, donc ces prophètes sont d'abord serviteurs et serviteurs de Dieu, littéralement esclaves de Dieu. D'accord ? Donc, ils n'obéissent qu'au Seigneur. Ça commence bien. Parce qu'on peut être prophète et ne pas être esclave de Dieu, obéissant au Seigneur. Donc, ensuite, on nous dit au verset 8 que Adonai, hein, Yahweh, parle qui ne prophétiserait. D'accord ? Et ça, c'est terrible encore. Donc, Dieu parle qui ne prophétiserait. Donc, il parle. Dieu parle. Et quand Dieu parle, eh bien, des prophètes sont envoyés. Lorsque Dieu parle depuis les cieux, eh bien, des prophètes, des prophétesses sont missionnés. C'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, la parole nous dit que Dieu dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Voyez donc, frères et sœurs, oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu continue, n'est-ce pas, à parler, continue à se manifester, à se révéler, bien évidemment. Et il est dit effectivement dans le livre de, on le verra plus tard, dans Hébreux chapitre 1er, qu'après avoir à plusieurs manières et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu en ce temps dernier nous a parlé par le Fils qu'il a établi hérité de toutes choses. Or, le Fils de Dieu, Yeshua, homme, est le prophète justement par excellence. D'accord ? Par excellence. Donc, nous sommes dans... On va commencer, bien sûr, par Yeshua, le prophète par excellence. Et donc, nous parlons ce soir des caractéristiques des ministères prophétiques authentiques. Comment reconnaître un prophète authentique ? Parce que nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de confusion. Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. Et nous lisons du verset 15 au verset 19. Voilà, Deutéronome 18, 15 à 19. Je lis. Ouais, tu peux lire, prends le micro. Et là. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez rentrés... Le micro près de la bouche, ouais, merci. Quand vous serez rentrés,
quand vous serez entré dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures, que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste. Ah, Deutéronome, hein? 18-15. Ah non, je suis à 19. Ok, tu es sur nombre. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je vais lire pour gagner du temps. Yahweh, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et Moïse, mes amis, ici nous sommes à une époque où justement Dieu avait suscité ce grand prophète qui est Moïse. Et à un moment où justement le peuple ne voulait plus entendre Dieu parler, où le peuple était effrayé quand Dieu lui parlait, notamment sur le mont Sinaï. Et le peuple dira à Moïse, justement, que Dieu ne nous parle plus. Soit notre interprète, soit notre médiateur entre Dieu et nous, mais qu'il ne nous adresse plus aucune parole, de peur que nous ne mourions. Eh bien, Dieu dira à Moïse, eh bien, ce qu'ils ont dit là est une bonne chose. Et dis-leur, justement, que je veux leur susciter, n'est-ce pas, un prophète comme toi. C'est-à-dire un prophète qui sera, n'est-ce pas, comme toi, mon porte-parole. Pour ne plus qu'ils aient peur de moi. Un prophète qui, n'est-ce pas, en qui je mettrai mes paroles et qui leur parlera de ma part. Et quand Dieu disait à Moïse ici qu'il allait susciter au milieu des Juifs un prophète comme lui, comme Moïse, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Moïse était le prophète de l'Exode. L'Exode, c'est quoi? Eh bien, c'est littéralement la délivrance, la sortie, n'est-ce pas, des prisons. Donc nous comprenons, mes amis, que le ministère prophétique authentique est lié à la délivrance du peuple. D'emblée. Le prophète ne vient pas pour caresser le peuple. Le prophète ne vient pas pour être dans une association des pasteurs. Ça, ce n'est pas le prophète biblique. On va le voir. Le prophète, ici, on nous dit, c'est le prophète de l'Exode. Un prophète comme toi. Et Dieu insiste, il dit, dis à mon peuple qu'il doit écouter ce prophète. Donc on comprend ici que souvent les prophètes ne sont pas écoutés. Pourtant, ils sont la bouche de Dieu, mais ils ne sont pas écoutés. Voilà. Et Dieu continue en disant, il répondra ainsi à la demande que tu fis à Yahweh ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée quand tu disais, que je n'entende plus la voix de Yahweh mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Yahweh me dit ce qu'ils ont dit et bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voyez frères, le peuple a peur, le peuple n'a pas voulu écouter Dieu directement, il a demandé à un prophète. Le prophète est, n'est-ce pas, le messager de Dieu. Il est celui qui vient avec le message du temps. Il est celui qui vient apporter un réma, apporter un message approprié. Le message du jour, le message de l'heure. Le prophète, il ne vient pas, n'est-ce pas, représenter une association religieuse, une association ecclésiastique. Il ne vient pas représenter, mes amis, une dénomination. Il vient, n'est-ce pas, parler de la part du ciel. Il vient, il représente le ciel. Voilà le prophète. Voyez, frères et sœurs. Et ici, nous avons le prophète des prophètes, Yeshua, le modèle parfait de tous ceux qui se réclament du ministère prophétique. Tous les ministères prophétiques authentiques exercés par les hommes mortels que nous sommes ont comme modèle le ministère prophétique de Yeshua, le Mashiach. Et on nous dit d'emblée ici, mes amis, qu'il viendra parler de la part de Yahweh. Donc le prophète authentique n'est pas mandaté par les hommes. Il est mandaté par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que depuis le ciel, Dieu a parlé. Et le prophète reçoit ce message dans son cœur, dans son âme, et il ne peut que parler. Parce qu'il n'a pas le choix. Et d'ailleurs, le message qu'il reçoit de Dieu
le met tellement dans un confort qu'il ne peut que s'exprimer. Voilà le prophète. D'ailleurs, Jérémie ne le disait-il pas, hein? Quand bien même je me dis, je ne ferai plus mention de lui, mais il y a dans mon cœur, dans mes os, comme un feu qui est renfermé. Et je ne peux que parler. Voilà le prophète. Donc, mes amis, il y a prophète et prophète. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas, vous n'arrivez pas à vous contenir, et si vous êtes enfant de Dieu, si vous n'arrivez pas à vous contenir quand vous recevez des pensées de la part du Seigneur, sachez que Dieu vous appelle à exercer cette fonction-là, n'est-ce pas? Pour pouvoir, bien sûr, parler de sa part. Voilà. Et c'est terrible ce que la parole, ce que Dieu dit justement ici. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, donc Dieu dit, je lui demanderai des comptes. Donc le prophète vient avertir, bien sûr. Il vient avertir les hommes d'un éventuel ou des éventuels jugements. N'est-ce pas? Et il vient mandaté par le ciel. Alors, examinons justement le ministère prophétique de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et vous allez facilement comparer maintenant, examiner en même temps au travers de cet enseignement, hein, avec cet enseignement, cette connaissance que Dieu nous donne, vous allez vous-même examiner, vous examiner et puis comparer aussi les prophètes que vous côtoyez et si réellement ils sont de la lignée du Mashiach. Voilà, parce que les chiens ne font pas de chats. Les chiens ne font pas de chats, les chats ne font pas de souris, n'est-ce pas? Donc les souris ne font pas des éléphants, voilà, donc... Vous ne pouvez pas me dire qu'un chien a donné naissance à un chat. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, frère, donc, le prophète Yeshua donne naissance aux prophètes comme lui. Yeshua, le prophète, engendre des prophètes de la même lignée que lui. C'est-à-dire des prophètes qui ont l'audace, le courage, qui sont esclaves du Père. Yeshua, le prophète, par excellence, n'était pas dans une association ecclésiastique. D'accord? Il était expulsé des synagogues. Donc, alors si les prophètes d'aujourd'hui sont dans les fédérations d'hommes, dans les pastorales, ceux qui ne sont pas prophètes de Dieu, ce sont les prophètes de Baal. Ce sont les prophètes du ventre. Et les gens veulent m'intimider pour ne pas que je parle. Mais plus vous me critiquez, plus je vais parler. Je suis un homme mort. Voilà. Vous pouvez dire que j'ai 1000 villas. Ce n'est pas pour autant que le ministère que Dieu m'a donné va s'éteindre. Hein? Je continuerai à parler. Vous faites la publicité gratuitement pour Chora. C'est une grâce que j'ai. Même ceux qui ne me connaissaient pas commencent à découvrir le message. C'est comme ça que ça se passe. Ça attise le regard, ça t'attire le regard des gens. La curiosité. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour, n'est-ce pas, exercer provisoirement le ministère que le Seigneur me donne pour corriger quand il le faut. Voilà, donc je referme la parenthèse. On revient sur le message. Donc, examinons le ministère prophétique du Maître. Ensuite, nous allons descendre sur les prophètes hommes que le maître a suscité et on va attaquer les prophètes de Baal. Parce qu'on ne peut pas ne pas, n'est-ce pas, dénoncer ce système-là complètement impie. Voilà. Alors, nous sommes dans Jean. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous lisons... Le verset 25. La femme lui dit, je sais que le Mashiach doit venir, celui qu'on appelle Christ. Mais quand il sera venu, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. En fait, le prophète qui devait venir selon Moïse, c'était le Mashiach. Yeshua confirme que c'est lui, n'est-ce pas? C'est de lui dont il était question. Nous allons encore plus loin. La femme, au verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Seigneur, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Donc ici, la femme samaritaine a fait la rencontre du prophète des prophètes, Yeshua. Une seule parole de connaissance a suffi pour que cette femme réalise qu'elle était en face du prophète
d'un prophète terrible. Et donc ici, on a la confirmation que Yeshua était vraiment le prophète attendu par les Hébreux. Nous sommes dans Luc chapitre 1er. Nous sommes au verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voilà. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant sa face, devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies. Et donc là, il est question du Machia et aussi de Jean-Baptiste, que son père appelle le prophète du Très-Haut, qui était appelé à préparer le chemin du prophète par excellence, qu'on appelle aussi le sauveur ici. Et on nous dit que sa mission était de délivrer le peuple, comme Moïse avait annoncé. Donc vous voyez bien que le salut est toujours associé au ministère prophétique. La délivrance est toujours associée au ministère prophétique. Tout homme qui se réclame de Dieu, qui se réclame prophète, tout homme, toute femme, qui se dit prophète, prophétesse, de la part de Dieu, doit automatiquement, frères et sœurs, être accompagné par l'onction de délivrance. J'entends par là, ce n'est pas forcément la délivrance par rapport aux démons. Comprenez, la délivrance englobe beaucoup de choses. D'ailleurs, le mot salut, soterian en grec, signifie littéralement délivrance. Il y a la délivrance par rapport à l'ignorance. Le prophète, quand Dieu l'envoie, c'est pour libérer les gens de l'ignorance. Parce qu'on peut ne pas être possédé par les démons et être complètement ignorant par rapport à ses droits, ses devoirs, sa position dans le royaume de Dieu, son identité en Christ. Voyez, Dieu dira justement que son peuple périssait parce qu'il lui manquait la connaissance. Donc on a besoin d'être délivré de l'ignorance, on a besoin d'être délivré de la chair, on a besoin d'être délivré des faux pasteurs, du péché, n'est-ce pas, des démons également. Donc vous voyez bien que la délivrance englobe beaucoup de choses. C'est un grand thème dans la Bible, n'est-ce pas? C'est un des grands thèmes, la délivrance. Donc le prophète vient pour délivrer un message qui est censé affranchir les hommes. Le prophète ne vient pas pour vous enfermer quelque part. Le prophète ne vient pas pour vous dire, je veux rester votre pasteur à vie. Le prophète ne vient pas pour vous dire, venez dans ma boutique. Le prophète ne vient pas pour vous dire, suivez-moi. Le prophète, il vous libère, il vous dit, allez vers Dieu. Voyez? C'est ça le prophète. Donc vous comprenez? Donc, une des caractéristiques du ministère prophétique, c'est la délivrance du peuple. Voyez? C'est une des premières caractéristiques. Le prophète vient libérer les gens. Moïse, Dieu lui a dit, va et libère mon peuple. Voyez? Libérer le peuple de qui? De Pharaon, de l'esclavage également. Voyez? Donc ce sont des libérateurs, les prophètes, comme les juges à l'époque d'Israël. Ce sont des libérateurs. Or, mes amis, actuellement, on assiste à une prolifération, n'est-ce pas, des ministères prophétiques qui ne libèrent pas le peuple, mais qui les emprisonnent. Et quand je parle, mes amis, des prophètes, comprenez qu'il ne faut pas, mes amis, être étroit. Hein, dans l'étroitesse d'esprit, il faut être large. J'entends par là, il faut avoir une vision globale, c'est-à-dire voir les cinq ministères d'Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, tous ces évangélistes, diacres, anciens, et les diacres ne sont pas dedans, mais il faut comprendre qu'il y a d'abord les cinq ministères d'Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, et ensuite les diacres et tous les chrétiens. Donc avoir une vision globale, c'est-à-dire tous ces gens-là, parce qu'ils ont le Saint-Esprit, peuvent exercer, n'est-ce pas, une autorité prophétique. Peuvent être la bouche de Dieu pour un temps. D'accord? Donc il faut ratisser large. Donc vous comprenez que le prophète, quel qu'il soit
apôtre, prophète, docteur ou chrétien, entre guillemets, ce qu'on appelle simple, alors que nous sommes tous en Christ. Donc, il est appelé, donc ce chrétien, qui a l'esprit prophétique, à libérer les hommes, à libérer les gens, à les rendre libres. Donc ça, c'est la première, c'est une des premières caractéristiques du ministère prophétique que Yeshua a exercé. Regardez, allons voir comment il a libéré les gens. Frères et sœurs, oh, que Dieu nous fasse grâce. Au nom de Yeshua. Et nous sommes dans Luc chapitre 13. À partir du verset 10. Quelqu'un pourra-t-il le lire là? Luc 13, à partir du verset 10, jusqu'au verset 17. Voilà. Jésus enseignait dans l'usine de synagogue le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef, regardez le contraste ici. Mais le chef de la synagogue, ici nous avons une belle image de la plupart de nos pasteurs d'aujourd'hui, qui veulent garder les brebis du Seigneur sous leur coupole. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Yeshua avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il n'a même pas parlé à Jésus, il se tourne vers la foule, il était en colère, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Alors que le sabbat signifie repos. Et cette femme n'était pas dans le repos. Il était censé avoir le repos ce jour-là. Eh bien, Dieu lui donne le repos, du repos, et cet homme s'oppose. Donc, quand les prophètes sont envoyés par Dieu, il y a toujours des opposants. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. S'il y avait Internet à cette époque, le chef de cette synagogue allait faire un blog. Allait faire des vidéos sur YouTube pour attaquer Jésus. Donc vous voyez bien qu'il y a rien de nouveau sur la terre. Le message que Dieu donne en ce moment-là, ça fait trembler beaucoup des vendeurs de pigeons. C'est ça mon combat avec tout ce monde-là. Ça les fait trembler. Il y a comme un tsunami spirituel. Beaucoup de chrétiens commencent à voir clair. Vous voyez frère, le chef de la synagogue avait sa brebis qui devait payer sa dîme chaque mois à cause de son infirmité. Cette femme devait faire des grosses offrandes, je ne sais pas. Et voilà qu'en un clin d'œil, le prophète des prophètes la délivre. Et le chef de la synagogue lui dit, il y a 6 jours pour travailler, allez vous faire guérir ce jour-là. Et qu'est-ce que Yeshua? Regardez la réaction du prophète. Des prophètes. Hein? Quelqu'un peut lire juste le verset 15 là un peu là. C'est quelque chose, hein? C'est fort là le verset 15 là, mes amis. Hypocrite. Non, j'ai pas entendu bien comme il faut là. Hypocrite. Alléluia. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Ah! Jésus nous compare ici, n'est-ce pas? À un bœuf, n'est-ce pas, ou un âne. C'est-à-dire, il dit bien son âne ou son bœuf. Donc, ça veut dire que cette femme était la brebis du Seigneur. Et ce chef de la synagogue l'avait oublié, ou ne le savait pas, il l'ignorait. Donc, les chrétiens qui fréquentent vos assemblées ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent, ceux qui sont de Dieu, ils appartiennent aux prophètes des prophètes. Et Yeshua dit, oui, vous avez la réponse du Seigneur devant la foule. Hein? Ce monsieur s'adresse à la foule. Et Jésus s'adresse à lui directement. Parce que le prophète n'est pas un hypocrite.
Et il lui dit devant tout le monde, devant les gens qui dirigeaient, hein, hypocrite, littéralement, hein, hypocrites en grec, c'est-à-dire, c'était les acteurs grecs à l'époque. Vous savez que les Grecs ont donné au monde le théâtre. Donc leurs acteurs, leurs comédiens, on les appelait les hypocrites parce qu'ils jouaient un rôle. Voilà. Donc Yeshua nous fait comprendre ici que ce monsieur, qui était chef de cette synagogue, donc comme le pasteur, il ne vivait pas son message, ce qu'il enseignait. Donc il jouait un rôle. Voilà. Comme c'est le cas dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Il joue des rôles. Comment? Tu peux, hein, tu peux, il n'y a pas de souci. Il jouait la comédie. Ouais, effectivement. C'était un comédien, comme un acteur de cinéma. Voilà. Donc, il était dans la peau d'un personnage, complètement, mes amis, imaginaire, fictif, tout ça. Et Yeshua le dit justement, c'est parce que quand on lit ça en français, on ne comprend pas bien comme il faut. Là. Mais quand on va dans le grec, en fait, c'est fort encore ce que le Seigneur est en train de dire ici. C'est comme s'il lui disait devant ses propres, devant ses oies, hein, eh ben, tu te mets dans la peau d'un personnage. Tu joues un rôle. Voilà. Et c'est fort. Et le Seigneur lui dit, mais tu es un hypocrite, pourquoi? Parce que tu es en train de jouer un rôle. Devant l'assemblée, tu fais semblant d'être parfait, d'être bon, hein, celui qui respecte le Shabbat. Alors que quand tu es seul, le jour du Shabbat, tu prends ton bœuf, tu prends ton âne que tu as là-bas chez toi, et tu vas faire des kilomètres et des kilomètres pour aller le faire boire. Et moi, maintenant, tu m'interdis de faire boire de l'eau à ma brebis. Mais tu as un hypocrite, tu joues un rôle. Tu penses que moi qui suis Dieu, je ne te vois pas dans les coulisses. C'est ça en fait que Yeshua est en train de le dire ici. Mais il dit, mais chaque sabbat, je vous vois en train de faire, hein, de marcher avec vos animaux pour aller le faire boire là, tout ça là, parce qu'à l'époque, il y avait les puits étaient à des kilomètres parfois là. N'est-ce pas? C'est terrible. Alors que le jour du Shabbat, selon Moïse, selon Exode, les enfants d'Israël ne devaient pas faire plus de 100, plus de 1000 mètres. Hein, donc ils avaient un périmètre à respecter. Hein, donc un nombre de mètres n'est pas dépassé. Donc il ne fallait pas dépasser de l'endroit où ils se trouvaient, le Shabbat, il ne fallait pas qu'ils aillent plus loin, hein, que 1000 mètres. Et eux, par contre, là, ils ne respectaient pas cette loi. Et Yeshua dit, ben justement, ben, voilà, tu es un hypocrite. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Waouh! Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Le prophète vient pour libérer les gens. Et regardez bien, Yeshua est venu en tant que prophète. Il est allé dans cette synagogue pour libérer cette femme qui était prisonnière de Satan. Et c'est ça le ministère prophétique. Dieu peut les envoyer dans les églises pour aller libérer ceux qui pensent être libres. Et c'est terrible. Et Dieu les envoie. Donc du coup, le prophète, ça nous sommes. Donc vous avez vu que une des premières caractéristiques du ministère prophétique, c'est la délivrance, la guérison, la restauration du peuple. Le prophète vient pour libérer les gens. Il ne garde pas les gens pour lui. Et la deuxième caractéristique, c'est le rejet de la part de dirigeants. Le prophète authentique est d'emblée rejeté par les religieux, par des pasteurs. Pourquoi? Parce que ce message libère les gens qui sont dans leur prison. Ce message, n'est-ce pas, va à l'encontre de leur vision, dérange. Ce message vide leur bâtiment. Donc du coup, ils rentrent en guerre contre le prophète que Dieu a envoyé. Ah, tu peux, dans la liberté, ouais. Ouais, ils perdent leur statut, effectivement. Voilà, ils perdent leur rôle dans leur église. Voilà, c'est ça. Donc, le chef ici était dérangé. Voyez? Donc, ça, c'est la deuxième caractéristique de la fonction prophétique. Un vrai prophète amène d'abord la délivrance au peuple. Deuxièmement, il est automatiquement rejeté par la majorité des pasteurs, des dirigeants d'église. Et on le voit ici. Ils ont, n'est-ce pas,
Il s'est opposé au Seigneur. Voilà. Et on a vu la délivrance. Hein, donc on continue. Et frères et sœurs, nous sommes dans Marc. Chapitre 1er, verset 21 au verset 27. Quelqu'un a trouvé? Marc chapitre 1er. 21 à 27. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant : Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres : Qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Voilà, donc on apprend ici, frères et sœurs, que, on a vu, donc là, le Seigneur arrive dans cette synagogue, il trouve de nouveau un homme possédé par un démon, pourtant qui fréquentait cette synagogue. Et le Seigneur, le prophète arrive, il délivre cet homme. Et les gens découvrent la délivrance, alors qu'ils fréquentaient cette synagogue depuis des années. Donc le prophète vient pour délivrer. D'accord ? Il ne vient pas pour te dire, reste attaché à moi. Non, il vient pour te rendre libre. Et deuxièmement, le prophète est rejeté par les dirigeants. Nous sommes dans Amos. On repart encore sur Amos. On va se balader. Amos chapitre 7. Verset 10 à 13. Quelqu'un peut le lire, c'est bon. Merci. Alors Amatsia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda. Mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Voilà, vous vous rendez compte ici? Et Amatsia, sacrificateur, soi-disant de Yahweh, en fait c'était un corrompu. Hein, donc voilà, il va aller voir le roi Jéroboam II pour accuser, n'est-ce pas, Amos. Il lui dira que le pays ne peut plus supporter ses paroles. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Le pays ne peut plus supporter ses paroles. Et il va par la suite aller voir Amos pour lui dire, homme à vision, littéralement voyant. C'est une... voilà, donc en fait, il se moquait d'Amos. Il lui dit, va-t'en d'ici, car, n'est-ce pas, ce lieu, donc Bethel, maison de Dieu, était devenu le sanctuaire du roi. Et il lui dira, va ailleurs, va prophétiser là-bas, et ne continue plus à prophétiser ici, parce que le pays ne peut plus supporter tes paroles. Et c'est terrible. Et Amatsia était chef, était sacrificateur, était censé enseigner la parole de Dieu au peuple. Donc, ceux qui s'opposent aux prophètes que Dieu envoie, ce n'est pas toujours le peuple, c'est plus les dirigeants. Voyez? Et c'est terrible, frères et sœurs. Regardez également dans Jérémie, chapitre 27. Donc, la deuxième caractéristique d'un prophète authentique, c'est le rejet, la persécution qu'il va subir de la part des conducteurs, des dirigeants, n'est-ce pas? Voilà. Et Jérémie chapitre 28. Et nous sommes, et à partir du verset 1er, hein, si quelqu'un veut bien le lire.
28, à partir du verset 1er. Le micro. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le cinquième mois de la cinquième année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me mit dans la maison de l'Éternel. En présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années et je fais revenir de ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et il a emporté à Babylone. Je continue. Ouais. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Anania, le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel, Jérémie le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensibles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Ah ouais. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès le temps ancien, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anania, le prophète, enleva le joug du dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en sa présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et Jérémie, le prophète, s'en alla. Après que Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Voilà, donc on voit ici Anania, un prophète, n'est-ce pas? Donc qui inspirait une fausse confiance aux Hébreux, au peuple, à cette époque. Et il va, devant tout le monde, s'opposer, n'est-ce pas, à Jérémie, à son message, à son ministère. Et heureusement que Dieu était intervenu, parce que, voilà, donc... Et donc, vous voyez bien qu'à chaque fois, ben, justement, eh ben, il y a des conducteurs qui s'opposent, justement, au prophète que Dieu envoie. Donc, l'opposition, hein, donc ça, c'est la deuxième caractéristique du ministère authentique que Dieu a envoyé, que Dieu envoie, c'est l'opposition. Dieu, des hommes se lèvent et s'opposent aux messagers ou aux messagères que Dieu envoie. D'accord? Donc, et ceux qui se lèvent comme ça pour s'opposer, ce sont souvent des conducteurs. Donc on le voit, on l'a vu avec Amos, on le voit avec Jérémie, et on le voit avec Moïse également, comment Pharaon s'était opposé. Jannès et Jambres également, qui étaient prophètes de Pharaon, magiciens de Pharaon, qui étaient opposés à Moïse. On voit également, mes amis, Jésus-Christ lui-même, selon Actes des Apôtres, hein, chapitre 4, où on nous dit que, au verset 27 et 28, et c'est toi qui as dit par, 25, pardon, et c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance.
Voyez, donc on voit ici comment, justement, Hérode et Pilate, qui étaient ennemis, nous dit le livre de Luc, hein, qui ne pouvaient pas s'entendre, mais parce qu'ils avaient tous les deux un ennemi en commun, ils se sont ligués contre le Seigneur et ils l'ont, mes amis, fait arrêter. Donc ils l'ont, bien sûr, les juifs de concert, hein, les chefs juifs, les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes, ils l'ont arrêté et crucifié, selon le plan de Dieu, nous dit la parole. Donc il y a eu une espèce de ligue des ennemis d'hier. Et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. À chaque fois que Dieu envoie un prophète, une prophétesse, eh bien, des ennemis d'hier deviennent les vrais amis, font des alliances dans le but de détruire, d'attaquer, de tuer le prophète ou la prophétesse que le Seigneur a envoyé. Et d'ailleurs, les deux prophètes d'Apocalypse 11, bien sûr, ils vont être exécutés, nous dit la parole. Pourquoi? Parce que leur message, leur onction, mes amis, et amener la crainte, la terreur, n'est-ce pas, aux habitants, hein, chez les habitants de la terre. Et ce n'est pas nouveau. Un prophète authentique ne peut jamais être acclamé. C'est faux. Un prophète authentique ne va jamais, mes amis, manger dans les palais présidentiels. C'est inconcevable. Quand, si vous voyez un prophète qui commence à être invité par des présidents, alors que ces derniers ne changent pas, sachez que ce prophète commence à être corrompu. Parce que Jésus-Christ dit quoi? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, frère. Nous devons rester dans la Bible. Nous sommes dans Matthieu 11. Donc la première caractéristique d'un prophète, c'est la libération. Il vient pour libérer vos âmes. La deuxième caractéristique, c'est l'opposition dont il est l'objet. Des hommes et des femmes qui dirigent le peuple de Dieu vont s'opposer à lui jusqu'à la fin de ses jours. D'accord? C'est terrible, c'est pour cela que, frères, sœurs, si vous avez l'esprit prophétique, l'esprit de Christ, eh ben, attendez-vous à l'opposition. Préparez-vous à l'opposition. Vous allez le voir. On va lire des passages aujourd'hui. On va pas faire des heures et des heures ce soir, mais on va vous donner des clés pour vous aider. Et que ceux qui sont abattus soient relevés, fortifiés. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 11. Hein? Gloire à Dieu. Matthieu 11, et verset 7. Quelqu'un pourra-t-il le lire, là? Verset 7. Micro. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. » On s'arrête là. Ici, c'est le prophète par excellence qui parle. Jésus-Christ, notre modèle. Le modèle parfait des prophètes. Donnez-moi un verset où vous avez vu Jésus-Christ manger avec Hérode. Donnez-moi un verset où vous avez vu Jésus-Christ manger avec Pilate. Moi, je veux être biblique. Voilà mon combat. Le jour où vous verrez Chora Kouetou manger avec un président, vous devez, ça n'arrivera jamais. Parce que je ne peux pas ne pas me trouver devant un président et ne pas lui dire la vérité en face. Donc forcément, on va m'emprisonner. Sauf s'il se convertit. Vous voyez, frère, donc si vous voyez un prophète qui est main dans la main avec un président en photo et qu'il met sa photo dans son bureau, qu'il soit pasteur, prophète ou docteur, évangéliste, ancien, je ne sais pas quoi, c'est qu'il est égaré. Amen. Oui, frère. Je sais qu'en parlant ainsi, j'amène encore des combats. Mais je suis un homme déjà, mes amis, crucifié. Donc, j'ai plus peur de la mort. Pour moi, Amen. La mort est un gain, pourvu que mon Dieu, Yeshua, soit glorifié. Amen. Voilà. De toute façon, je ne mourrai pas tout de suite. On est encore là ensemble. Amen. Je dis bien, je répète, si vous voyez sur un site internet un prophète en photo à côté d'un président, main dans la main, dites-vous qu'il est déjà égaré. Regardez,
Jésus-Christ notre Seigneur. D'abord, le prophète Moïse. Quand il est allé dans le palais de Pharaon, ce n'était pas pour manger. C'était pour libérer le peuple. Et il a été chassé de l'Égypte. Jésus-Christ notre Seigneur, Amos d'abord, il n'était pas dans le palais du roi. Jérémie, il n'était pas dans le palais du roi pour manger. D'accord, frères et sœurs? Daniel, dans le palais du roi, il était combattu. Frères, sœurs. Et Jésus-Christ, quand il s'est retrouvé, d'abord Jean-Baptiste, il s'est retrouvé dans le palais d'Hérode, c'était en prison. Ce n'était pas pour manger. Et on a coupé sa tête. Jésus-Christ est allé, mes amis, chez Hérode. Et Hérode l'a renvoyé. Il est allé chez Pilate. Pilate l'a fait condamner. Alors, Paul est allé chez César. Ce n'était pas pour manger. C'était pour plaider sa cause, la cause de l'évangile. Alors, donnez-moi un seul verset d'un prophète qui parle d'un prophète authentique, avec un message authentique, qui était ami des rois impies. Le prophète Michée, pendant que, mes amis, les 400 prophètes de Baal mangeaient à la table d'Akab, le prophète Michée était dans son coin, dans 1 roi 22. Lisez la parole, frère. Michée était seul contre 400 prophètes de Baal. La troisième caractéristique d'un prophète authentique, c'est la solitude. Ce sont des solitaires. Jean-Baptiste était seul. Michée était seul. Élie était seul. Il dira, Élie dira, je suis resté seul, prophète de l'Éternel. Jésus-Christ dira aux apôtres, je suis seul, mais le Père est avec moi. Paul dira, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Et vous, vous avez des prophètes qui sont entourés des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des bishops. Ce ne sont pas des prophètes de l'Éternel. Ce sont des prophètes d'Astarté. Ce sont des prophètes de Baal. Ce sont des prophètes du ventre. Voyez, frère, de toute façon, j'ai atteint un niveau dans la dénonciation, dans l'enseignement, que je ne peux plus faire marche arrière. Voilà. Le train est déjà, mes amis, sur les rails, en marche. Et donc, c'est trop tard pour moi, là. Je ne peux que continuer jusqu'au bout. Je crois même que dès ma naissance, dès le jour de ma naissance, je me disais déjà que le combat était engagé. Voilà. Ce sont les solitaires. La solitude est une des caractéristiques du ministère prophétique authentique. Ce sont des hommes seuls, des femmes seules. Hébreux 11 le dit. Ils erraient ici et là. Voilà. Pourquoi ces hommes-là sont des hommes seuls, ou hommes ou femmes? Parce que quand ils arrivent dans un groupe, là où il y a le bazar, ils dénoncent tout, ils cassent tout. Donc, les religieux préfèrent ne pas avoir affaire à eux. Voyez, frère? Donc, nous sommes d'abord dans la deuxième, caractéristique, l'opposition. Voyez? L'opposition. L'opposition de la part de religieux. Regardez comment Paul a subi cette opposition face aux pharisiens qui l'ont accusé, qui sont partis même prendre un orateur, un avocat qui maîtrisait la rhétorique pour l'accuser. Vous avez vu, frère, Paul était seul en prison. Jean, le prophète de Yahweh, sur l'île de Patmos, était seul. Voyez, frère, il a subi une opposition terrible. Donc l'opposition, c'est normal. Si vous avez l'esprit de Dieu, l'esprit prophétique, attendez-vous à subir de l'opposition, même de la part des gens proches. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Chapitre 12, pardon. Est-ce qu'on peut lire le chapitre, le verset 3, s'il te plaît? Au verset 4. 12, 3, 4. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs,
afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ah. Donc, frère, on parle de la résistance. Il faut de la résistance si l'on veut être chrétien. Pourquoi? Parce que Satan est un opposant. Ah oui, c'est un adversaire. Vous ne pouvez pas prétendre avoir l'Esprit de Dieu et ne pas essuyer de l'opposition. Ça commence d'abord avec la chair. La chair s'oppose à l'Esprit, Galates 5 nous dit. La chair a des désirs contraires ceux de l'Esprit. Et les deux sont opposés. La parole le dit, ce n'est pas Chora qui le dit. Deuxièmement, il y a l'opposition des démons qui vont s'opposer à vous, des sorciers, l'opposition des religieux. Et il est dit ici, la parole nous demande de considérer. En effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Ah oui, frère. L'opposition, ça c'est Yeshua. Toute sa vie était une vie d'opposition. Sa naissance, les gens, des hommes se sont opposés à sa naissance. Au point où on a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Voyez, frère. Voilà. Partout où Jésus allait, il avait les opposants. Les pharisiens étaient toujours là. Il guérit un malade, les pharisiens s'opposent. Il dit à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, les pharisiens s'opposent. Et vous ne voulez pas que Chora ait des opposants? Et quand on commence à critiquer Chora, vous commencez à pleurer, à trembler, à dire non, mais est-ce qu'il n'est pas vraiment aussi égaré? Mais attendez les chrétiens, vous avez compris quel message là, vous avez compris quel Dieu. Un vrai chrétien doit comprendre que nous sommes des opposants de Lucifer. C'est normal que Lucifer envoie ses enfants pour s'opposer à nous. Voilà. Ben les catholiques, si vous êtes catholique, vous avez votre tenue de dimanche, vous allez régulièrement à la messe, vous n'aurez pas d'opposants parce que vous faites partie du camp de l'autre. Bien sûr, Dieu va s'opposer à vous. Vous voyez? On ne peut pas ne pas être opposant. Celui qui est avec Dieu devient opposant du péché. Voilà. Donc comment voulez-vous, mes amis, maintenant, douter quand... Vous ne pouvez pas douter quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chrétien est, mes amis, critiqué matin, midi, soir, posez-vous la question, pourquoi? Ben oui. Frère, Jésus-Christ, on l'a traité de Belzébul, mais on le suit quand même, non? Ben alors, Belzébul, c'est Satan lui-même. Ce sont des chefs religieux, pharisiens, scribes, tout ça, qui ont dit que Jésus était un Belzébul. Mais pourtant, nous, quand on lit la parole, on nous dit, mais ils sont complètement religieux. Mais si aujourd'hui on dit que mon frère est un sataniste, est un démon, est un voleur, est un impudique, mais je dois le regarder et dire, eh ben, je vois qu'il y a les fruits du Saint-Esprit. Donc, c'est de la jalousie. C'est normal parce que c'est un prophète. C'est pour cela qu'on l'accuse comme ça. Et c'est biblique. On vous a traité d'antichrist sur Internet. Qui, moi? Ah oui, sur Internet, on me traite de tous les noms aujourd'hui. Et est-ce que quand tu as vu ça, quand tu as vu qu'on m'a traité d'antéchrist, tu peux parler au micro s'il te plaît? Sur le coup, il y a eu un peu de doute parce que je me suis dit, mais je cherche une bonne église et tout. Et puis ça, c'était contradictoire par rapport à vos enseignements, ça ne collait pas. Et donc pendant 2-3 jours, j'avais pas été sur Internet. D'accord. J'avais pas été vous voir. Puis je suis revenue à la recherche, j'ai regardé d'autres émissions que vous avez faites et je voyais que ça ne collait pas. J'ai dit, mais il faut que j'aille voir par moi-même. Et quand tu es venu, tu as vu quoi? J'ai vu la vérité. Quoi. Alléluia. Voilà, donc aller voir par soi-même. Voilà. Ne pas rester sur ce qu'on voit seulement par Internet. Il faut vérifier la source, quoi. Faut aller voir. Amen. Faut pas avoir peur, quoi. Parce que sinon on est égaré, on est vraiment, on sait plus qui croire. Ok. Voilà. Mais tout est écrit dans la Bible, donc ce que vous dites, c'est écrit. Amen. Donc il y a pas de doute, quoi. Il y a Amen. Pas de doute. Voilà. Amen. Voilà, donc en fait, c'est parce que le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas malheureusement enseignés. Voilà. Parce que comme nous avons pratiquement tous un arrière-plan catholique, quand on était chez les catholiques, il y avait pas de problème. Hein. Donc tout le monde était calme, tout est calme, tout est beau, tout ça. Et voilà. Donc du coup, quand on commence à découvrir la vérité, et on s'aperçoit qu'il y a le combat spirituel, que les démons nous attaquent, que des hommes peuvent se lever contre nous, ils peuvent nous accuser faussement, tout ça,
et nous prêter des intentions. Ah non, mais celui-là, là, celui qui vous critique, il va très loin parce qu'il dit que vous avez dit des choses auparavant, vous avez annoncé quelque chose qui devait se faire et qui n'a pas eu lieu. Donc vous n'êtes pas du tout de Dieu, qu'on doit faire attention. Ils annoncent, ils disent que non, j'ai annoncé qu'un pasteur allait mourir, Dieu allait le frapper et il n'est pas mort. En fait, mais les gens se repentent entre temps. Et puis, puis on fait tous des erreurs, on n'est pas parfait. Et bien surtout que c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est cet homme au jour d'aujourd'hui spirituellement, il est mort. Vous voyez, c'est qui parle sur vous là? En fait, il y en a plein. Il y a des blogs, il y a des sites, il y a des. D'accord. Ah oui, c'est quelque chose. D'accord. Et d'ailleurs, ils disent pas exactement. À chaque fois, il y a pas de preuve. C'est des allégations, c'est des on dit, on pense. Par exemple, quand ils vont dire que j'ai des villas partout, eh ben jamais ils vont vous dire, ben voilà, on a les papiers, tout est là. C'est des allégations, des imaginations, tout ça, c'est parce que justement, le message. Vous dérangez. Voilà, il faut comprendre. Et c'est vrai, quand on dérange, on est attaqué. Voilà. Moi, on m'a dit que. Le micro, s'il te plaît. Est-ce que ça allume ? Je vais vérifier. Voilà, c'est bon. On m'a dit, attention, c'est un sorcier, fais gaffe à tes enfants, tout ça. Waouh. Oui. On m'a dit ça. C'est les pasteurs qui disent ça. Hein? Oui, donc, les gens, quoi. Mais pourquoi ils disent que je suis sorcier? Ils se basent sur quoi? Je sais pas. Ok. Quand on cherche vraiment Dieu, il nous parle intérieurement. Amen. Et quand quelqu'un est de Dieu, ça se voit. Amen. Quand on a un enfant de Dieu, on reconnaît l'autre. Amen. Et moi, je voyais que ça collait pas. Quoi. J'ai lu pas mal de vos prêches et ça collait pas ce qu'il disait. Je disais, mais c'est pas possible. Cet homme dit la vérité. Quoi. Mm-hmm. Alors pourquoi? Donc c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Donc je vais aller voir, okay. Vérifier l'info. Et tu es venu pour la première fois samedi dernier? Samedi dernier. D'accord. Ouais. Je n'ai pas osé aller sur scène quand vous avez appelé. Parce que j'avais déjà été baptisé, donc je savais pas trop. J'ai demandé à des sœurs, mais j'ai déjà été baptisé. Parce que vous avez demandé les baptisés. Vous avez demandé les gens qui ont été. Ceux qui veulent le baptême. Moi, j'avais été déjà baptisé, donc je savais pas ce que je devais. Puis vous m'avez appelé, puis je suis venu. Voilà. Gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu, quoi. Voilà. Faut toujours vérifier. Chez les ADD, donc les Assemblées de Dieu, tu es connu comme un loup blanc, quoi. Tu es considéré comme un sataniste. Hein. Waouh. Ah oui. Ça, c'est du côté de. Ouais. Du côté du sud. Du sud, Montauban, tout ça. Voilà, ouais. Chez les ADD, il faut surtout pas te fréquenter. Waouh. Voilà. C'est fort. C'est très grave. Ouais, mais c'est du n'importe quoi. Voilà. Voilà. C'est... Ouais, donc vous pouvez vous exprimer, Christ, pas de problème. Fort, hein. Christ est grand et quand. C'est clair, c'est que des mensonges. Hein. On reconnaît vraiment un enfant de Dieu, donc voilà. Ça se reflète. Voilà. Nous, ça nous a libérés. Ah oui, ça nous a libérés. Hein. Voilà. J'ai fait 13 ans chez les ADD, j'ai rien appris, quoi. Toi. J'ai rien appris, et puis c'est quand j'ai entendu le message de l'apostasie, où tout d'un coup, tout s'est effondré. Parce qu'il y avait des tas de choses que je voyais dans cette assemblée, et qui tout d'un coup étaient mis en lumière avec des mots que je connaissais pas, et tout d'un coup, tout ressortait, et voilà, ça a été le tsunami. Amen. Le tsunami spirituel. Amen. Et une nouvelle conversion. Alléluia. Et moi, gloire à Jésus, mon serviteur. Voilà. Vous m'avez soulagé avec la dîme. Quand vous avez parlé de la dîme. Bah, elle était livrée. Ah ouais, vous m'avez vraiment délivré parce que je suis quelqu'un qui culpabilise vachement quand moi, je ne fais pas ma dîme. Et puis, il y a autre chose aussi, parce que j'avais un projet pour la Guinée. D'accord. Puis je me suis dit, mais à quoi sert d'aller construire en Guinée? Le Christ revient bientôt. Mmh. Et ça, c'est quand vous parlez d'autres choses par rapport au Nouvel Ordre Mondial ou à tous ces pasteurs qui construisent des belles églises, etc. Mais on n'est plus dans ce temps-là, quoi. C'est bon, on se cacher des grandes maisons, etc. C'est terminé. Vaut mieux apporter plein de gens à Christ. Mmh. On est plutôt on est missionné, quoi. Amen. On n'a plus de temps à perdre. Amen. Donc les chrétiens qui sont dans des grands projets, ils ne se rendent pas compte qu'ils perdent un temps fou, quoi. Ils veulent l'argent aussi. Mmh. Et vraiment, m'a soulagé pour la dîme, parce que je suis culpabilisé vachement. On nous met trop de pression dans certaines églises. Malheureusement. Et bien justement, s'il y a cette colère de la part de beaucoup de religieux, de conducteurs chrétiens, contre nous, contre moi, c'est d'abord à cause de l'enseignement sur la dîme. Surtout la dîme. Là, c'est clair. Ah ouais, ils cherchent plusieurs autres raisons, mais le problème de base, c'est l'argent. Surtout la dîme. J'étais dans une église, j'étais pas tranquille. On avait tout le temps la pression sur la dîme. D'ailleurs, elle a fermé. L'explosion, ça. Voilà. Ça, vraiment, c'était grave, ça. Ils disent qu'il a assez mangé. Oui. Ils vont même dire que j'ai mangé la dîme des gens. Contredit les gens. Qu'il faut rembourser. Mais j'ai mangé la dîme de qui? Que celui à qui j'ai mangé la dîme vienne me voir.
Frère, même à l'époque où on était dans la religion, là, jamais pris la dîme de quelqu'un pour aller manger. Non, c'est la jalousie, la confusion. Les gens, ils ne savent plus quoi inventer. Mais les chrétiens voient clair. Non, mais là, on voit que vous êtes honnête. Il y a un moment où vous parlez d'une somme que vous avez eu, 50 000 euros, et que c'est plus la peine de donner, c'est bon, il y en a assez. Voilà. Voilà, donc c'est là qu'on voit votre honnêteté, parce que vous aurez pu continuer à demander. Effectivement. Oui. Dès que vous avez eu la somme, vous avez dit, c'est bon, on peut arrêter de donner, on a la somme. Et quelqu'un d'honnête, voilà, il stoppe. Voilà. Quelqu'un de malhonnête. Il prend, et puis il met dans sa poche. Voilà. Voilà. Donc, Dieu nous a créé intelligents, on a du discernement, donc on voit. Amen. Amen. Comme en fait dans les assemblées, toutes les brebis sont muselées. Mm-hmm. Du coup, c'est pour ça que finalement, c'est les dirigeants qui font l'opposition sur les vrais prophètes. Parce que de toute façon, les brebis elles sont tellement habituées à ne rien dire et à tout absorber, même si elles comprennent rien. C'est ça. C'est des moutons de panurge. Donc du coup, c'est toujours les dirigeants qui s'opposent aux vrais prophètes. C'est ça. Et nous, même si on comprend quelque chose à un moment donné, parce qu'on a été éclairés, parce que le Seigneur nous a montré quelque chose, voilà, à un moment donné, il faut vraiment se secouer, parce que sinon, Amen. Sinon mais moi, voilà, il faut sortir de Babylone. Amen. Voilà. Donc, on est sorti de Babylone. Amen. Voilà. Et moi, dans mon ancienne église, le pasteur nous disait, par exemple, quand on avait beaucoup de bénédictions dans une église, ne pas aller dans une autre. Et donc, quand on m'invitait dans d'autres églises, je n'allais pas, mais je me disais, ouais, mais c'est pas bon, il ne faut pas, le pasteur, il ne faut pas écouter ce qu'il dit, parce que c'est faux. Mm-hmm. C'est faux, puisque, en fin de compte, il nous enchaînait. Quoi. Mm-hmm. Complètement. Voilà, il nous enchaînait. Moi, je pense que la parole, elle est partout. Mm-hmm. Pourquoi être cantonné que dans une église? C'est ça. Et c'est là qu'est le piège. C'est ça. C'est là qu'est le piège. On est dans le royaume de Dieu. On peut partager avec des enfants de Dieu, ici et là, et avec les inconvertis, aller les voir témoigner, effectivement. Et puis le Christ l'a dit dans sa parole, vous reconnaîtrez mon église par les fruits. Par les fruits. Un arbre, c'est fruit. Voilà. C'est ça. Donc voilà, frères et sœurs, l'opposition de la part des pécheurs, comme le Seigneur le dit ici. Vous savez, quand Christ est venu, il est venu en tant que prophète. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Jésus-Christ, quand il était venu sur terre, il est venu en tant que prophète. Le prophète vient libérer les gens. Le prophète vient éclairer les gens. Et bien, quand il est venu, il fallait qu'il libère les gens d'abord du péché. C'est ce qu'il a fait. Qu'il libère les gens des démons. C'est ce qu'il a fait. Colossiens nous dit, il a, n'est-ce pas, effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous a libérés de la loi de Moïse qui nous condamnait. Il nous a libérés. La Bible nous dit qu'il a triomphé. Hein, des puissances de démons occultes. Il a triomphé d'elle à la croix. Donc il nous a libérés du péché. Il nous a libérés des démons. Il nous a libérés de la loi. Il nous a libérés de la religion. Il nous a libérés des hommes. Paul le dit dans Galates 1. Christ, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Donc vous voyez que le messager Yeshua est venu libérer le peuple. Vous voyez. Et ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Et c'est pour cela qu'il a été arrêté. Dieu l'avait prévu, bien sûr. Arrêté et exécuté. Crucifié. L'opposition. Même ses propres frères s'opposaient à Jésus. Ouais. C'est écrit. Même ses propres parents, nous dit la parole, le prenaient pour un fou. C'est écrit. Mais pourquoi l'opposition? L'opposition parce que toute œuvre... D'ailleurs, on va le lire. Galates, pourquoi l'opposition? Galates chapitre 5. Versets 16 et 17. Il n'y a pas de problème. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah! Vous voyez, la parole est claire. Hein? Pourquoi l'opposition? Eh bien, la première réponse ici, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires aussi à ceux de la chair. Donc il y a une opposition entre l'esprit et la chair. Voilà pourquoi. Quand Isaac est né, n'est-ce pas? Et là, avec son frère Ésaü, on nous dit que depuis le ventre, il y avait déjà la guerre. Et celui qui était de la chair, donc Ésaü, persécutait Jacob qui était un enfant de la promesse. Vous voyez? Donc, tous les charnels combattent les enfants de Dieu,
ceux qui sont les hommes et les femmes spirituels, tout simplement. Pourquoi? Parce que la chair veut manger, la chair veut s'habiller, la chair veut être vue, la chair veut, comment dire, faire des grandes choses sur le plan charnel, humain, mais l'esprit veut marcher dans la simplicité. Voyez? Donc du coup, il y a une opposition. Et la chair veut le sexe, la chair veut la nourriture, tout ça là. Et l'esprit veut nous imposer, dans l'amour, hein, bien sûr, une marche simple. La croix. Donc il y a une opposition. La première raison de l'opposition, c'est la chair. Ceux qui sont dans la chair, ceux qui veulent servir Dieu pour leur chair, pour avoir de l'argent, ceux qui veulent avoir la dîme, ceux qui veulent construire des grands bâtiments d'église, ben, ils vont s'opposer à la vérité. Ben, au prophète. Il va vendre pour un plat de lentilles son... Voilà, ceux qui veulent vendre leurs CD, ceux qui vendent leurs CD, leurs albums, leurs DVD, ceux qui vendent leurs livres avec leurs photos, parce qu'ils veulent être vus. Donc du coup, ils s'opposent à la simplicité de l'évangile. Il a vendu son droit d'aînesse, vous l'avez bien expliqué. Non, voilà, Ésaü a vendu son droit d'aînesse parce qu'il était charnel. Il avait faim, tellement faim. Voilà, c'est pour cela que ses opposants vendent leur onction pour des billets de banque. Voilà. Donc, c'est la chair. La deuxième raison, elle est spirituelle parce que Satan est un adversaire. Donc, il s'oppose à Dieu. Il s'oppose à tout ce que Dieu fait. Et c'est essentiellement ces deux raisons-là. La chair et le diable. Donc, le diable va se servir de la faiblesse de la chair pour utiliser les hommes et les femmes à s'opposer à l'action de Dieu. La nudité, etc. Tout ça là. Pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela, frères et sœurs, et si vous n'êtes pas suffisamment enseigné, vous pouvez avoir même des doutes sur les vrais ministères. Parce que nous sommes dans un monde où l'on nous a fait croire que les vrais pasteurs, ce sont ceux qui sont acceptés, acclamés par tout le monde. Alors que Jésus-Christ n'a pas été plébiscité. Jésus-Christ n'a pas été acclamé. Sa propre mère biologique, hein, Marie, dira... que Jésus-Christ était fou, qu'il était hors de sens. Ses propres frères nous disent dans Jean 7, ne croyez pas en lui. Donc l'opposition que Jésus-Christ a essuyée a commencé, c'était d'abord au sein de sa famille, avec sa propre mère. Donc il peut arriver un moment où même vos propres parents ne vous comprennent pas. Vos propres frères et sœurs ne vous comprennent plus. Étranger dans sa propre famille. Voilà, où l'on vous prend pour un fou. Pour un gourou, pour une secte. Voyez? Tout simplement parce que vous avez reçu la pensée de Dieu. Et j'arrive. La Bible dit que l'homme spirituel, hein, donc la pensée de Dieu ne sont pas nos pensées. Les pensées du Seigneur. Imaginez si quelqu'un reçoit la pensée de Dieu aujourd'hui. On va s'attaquer. On va l'attaquer. Parce que personne ne peut saisir charnellement la pensée de Dieu. Mais moi qui suis d'origine musulmane, dans ma famille, voilà, ils ne comprennent pas. C'est normal. Ils croient que je suis égarée. J'ai même des collègues de travail qui disent que j'irai en enfer. C'est normal. Voilà, eux, ils sont encore musulmans, on peut comprendre. Ouais, parce qu'ils ne sont pas éclairés. Mais l'opposition de la part de ceux qui se disent chrétiens. Ils ne comprennent pas. C'est là. Ils ne comprennent vraiment pas. C'est la pire, en fait. C'est la pire, parce que et, si Dieu, Dieu est fidèle, hein, heureusement que Dieu nous soutient, mais c'est la pire. Parce qu'il est dit quoi dans Jean 1? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reconnu. D'accord? Et c'est terrible. Donc, on voit bien que... je vais finir d'abord ce que j'ai à partager là, comme ça, vous allez... Donc, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reconnu. Et c'est terrible, frères et sœurs. C'est grave. Yeshua vient chez les siens qu'il attendait. Ils l'ont rejeté. Vous voyez, frères et sœurs, il envoie des gens pour dire, venez aux noces. Les noces, vous savez la parabole des noces. Et la Bible nous dit qu'ils n'ont pas accepté de répondre à l'invitation. Et il va envoyer ses serviteurs pour aller dans tous les carrefours, hein, pour appeler les boiteux, les aveugles, les malades, tout ça là. Les estropiés, donc les nations, les païens que nous sommes. Pourquoi? Parce que son message était rejeté. Paul espérait gagner ses propres frères à la foi, hein, de Yeshua en Christ. Mais il a été, quand il arrive à Jérusalem, dans Actes 20, 21, 20, 22, il a été rejeté par ses frères. Donc, frères et sœurs, chrétiens, soyez correctement enseignés, soyez correctement instruits,
selon la sainte doctrine, une des caractéristiques d'un ministère authentique, c'est l'opposition, c'est le rejet. D'accord? Et ça, si vous êtes suffisamment enseigné là-dessus, vous n'allez plus trembler devant, mes amis, les critiques. Parce que si on commence à vous critiquer et que vous n'êtes pas suffisamment enseigné, vous risquez de perdre la foi. Vous risquez de baisser les bras et de passer à côté de votre mission. Tout homme qui veut servir le Seigneur authentiquement, véritablement, toute femme qui veut aller loin avec le Seigneur, doit être suffisamment enseignée là-dessus. Il doit comprendre que l'opposition est très biblique quand on a l'Esprit de Dieu, quand on a l'Esprit de Yeshua. En fait, l'Esprit de Yeshua provoque l'opposition des païens, n'est-ce pas? L'Esprit de Yeshua provoque la colère de charnel. L'Esprit de Yeshua provoque la haine. C'est-à-dire, en fait, l'Esprit de Dieu, quand il saisit une personne, je prends un exemple, l'Esprit de Dieu saisit mon frère, automatiquement la haine cachée dans les cœurs des gens qui l'entourent, cette haine sera mise à jour, mise à nu, révélée. C'est ça l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Rien de secret devant lui. Voyez? Donc, l'opposition est tout à fait normale. Frère, quand Calvin, Dieu l'a appelé pour réformer les choses, il a subi une opposition terrible, Jean Calvin. Luther, Martin Luther, a subi une grande opposition. Mais beaucoup de chrétiens ont été crucifiés, ont été brûlés vifs, et très peu de chrétiens le savent, parce que nous avons un arrière-plan catholique. On a oublié la croix. On a oublié la persécution. Le Seigneur a dit, si on m'a aimé, on vous aimera. Si on m'a accepté, vous serez accepté. Il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il a dit le Seigneur, frère. Il a dit Jésus. Il a dit, malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous. Dans Matthieu 5. Il a dit le Seigneur. Il a dit, c'est ainsi qu'ils ont été avec les faux prophètes. C'est-à-dire, ils disaient de bonnes choses aux faux prophètes. Donc c'est normal que les gens vous accusent faussement. C'est normal que des gens que vous avez nourri se lève contre vous. C'est biblique. Jésus-Christ dit dans Psaume 41, 10, il est dit, celui-là même qui mangeait mon pain, qui avait ma confiance, lève le talon contre moi. Mais c'est biblique, frère. Vous allez nourrir des gens, aujourd'hui, demain, ils vont se lever contre vous. C'est biblique. Vous devez être armé. 1 Pierre 4 nous dit quoi? Nous dit que, comme Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de la même pensée. C'est dans la Bible, frère. Donc, si vous êtes suffisamment enseigné, vous devez, mes amis, bénir plutôt le Seigneur si les gens se lèvent contre vous, alors que Dieu vous a réellement appelé. C'est l'opposition, si vous craignez Dieu, l'opposition, les critiques, sont des signes qui attestent que Dieu marche avec vous. Voilà. Voyez, donc, le prophète authentique vient libérer les gens. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, le prophète authentique, hein, subit une forte opposition de la part des chefs, de la part des dirigeants, de la part des pasteurs, de la part des apôtres, des prophètes, de la part même des chrétiens qui ne sont pas enseignés. Une grande opposition. Et c'est très biblique, frères et sœurs. Parce que on ne peut attaquer que celui qui a le mandat de Dieu. Voilà. Et tout ça là, c'est biblique. Donc, libérer les gens, ça c'est les prophètes. Être rejeté à cause de leur message, ça c'est aussi, ça fait partie aussi du ministère prophétique. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5, verset 10. D'abord 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Pardon, 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu, hein, des cieux, est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est terrible, hein? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. C'est fort. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous
toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, on n'est pas, bien sûr, on n'est pas, mes amis, épargnés. Hein? Donc, vous ne serez pas épargnés. Donc, c'est ainsi, donc je finis d'abord. Hein? C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Donc, c'est biblique, c'est normal que l'on passe par des tribulations en tant que messager et messagère de Dieu, en tant qu'hommes et femmes qui ont reçu la parole de la part du Seigneur. Donc c'est normal, frères et sœurs. Et ça fait partie, mes amis, de la fonction prophétique, pastorale authentique, apostolique authentique. Et c'est pour cela que les enfants du Seigneur doivent être suffisamment enseignés. Enseignés. Frère, Étienne, prophète de Dieu, messager de Dieu, était lapidé. Vous vous rendez compte? Jacques, apôtre du Seigneur, était décapité. Paul, apôtre du Seigneur, frère, était décapité sous Néron. Vous vous rendez compte? Selon la tradition juive, tous les apôtres sont morts, Jean aussi, martyrs. Voyez, frères et sœurs, et c'est terrible ce que ces hommes et ces femmes ont vécu. C'est terrible. Ils ont vécu une telle opposition que beaucoup de chrétiens sont ignorants par rapport à cela. La parole nous dit dans Hébreux chapitre 11 qu'ils étaient sciés. N'est-ce pas? Et selon la tradition, c'est le prophète Ésaïe qui était scié. Et c'est terrible, frères et sœurs, nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Nous allons, nous lisons à partir du verset, et à partir du verset 32, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par leur foi vaincurent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Eh frère, vous avez vu ici, ce sont des gens qui avaient la foi d'Abraham, la foi en Yeshua. Et vous avez vu les conséquences de cette foi, le fouet, lapidation, moquerie, tourment, ils erraient ici et là. Et vous avez vu les conséquences de cette foi? Ils s'habillaient en peau de chèvre, en peau de brebis, comme Jean-Baptiste. Il était habillé en peau de chameau. Or, le chameau était un animal impur. Et cet animal sent mauvais. Donc, Jean-Baptiste, mes amis, quand il marchait ici et là, il sentait mauvais, il sentait le chameau. Les gens devaient, mes amis, le fuir. Et c'est ça, mes amis, l'évangile. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, on est automatiquement... En fait, d'abord, on va libérer les gens. Deuxièmement, on va être rejeté. On va essuyer de l'opposition, du rejet, des critiques, matin, midi, soir. Des gens vont passer leur vie, leur temps, à parler sur vous matin, midi, soir. Parce qu'ils sont eux-mêmes tourmentés par les démons qui le poussent à s'exprimer ainsi. Ils deviennent des instruments entre les mains de Lucifer. Donc, c'est normal, mes amis, toutes ces choses. Et le Seigneur l'a dit, malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous. C'est écrit dans la parole, frères et sœurs. Yeshua a terminé comment, frère? L'enfant de Dieu, le fils de Dieu, le prophète qui était venu libérer les gens, il a terminé comment, frères et sœurs? On lui a craché dessus. On l'a crucifié. On lui a donné du vinaigre. Il n'a pas été acclamé par Hérode. Il n'a pas été acclamé par Pilate. Il n'a pas été acclamé par les chefs. Il était rejeté. Même
un des chefs, Nicodème, était obligé d'aller le voir la nuit pour ne pas être vu. Il se cachait. Vous voyez, frère, Jésus-Christ n'avait pas bonne presse. Il était rejeté. Et qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, frère? Si vous avez des prophètes qui sont avec des rois, qui sont, mes amis, acclamés par des princes, ils ne sont pas prophètes. Ils sont prophètes de Baal, oui, mais ils ne sont pas prophètes de Dieu. Vous avez, frère, vous avez vu? Donc, les vrais enfants de Dieu souffrent en ce temps de la faim, dans ce monde. Les vrais enfants de Dieu sont persécutés par le monde, sont pourchassés. Ce sont des hommes et des femmes solitaires. Ce sont des hommes et des femmes qui sont incompris. Incompris. Et ne cherchez pas non plus à être compris. Parce que le jour où vous serez compris par les charnels, Dieu vous, n'est-ce pas, disqualifiera. Voyez? Et c'est terrible. C'est terrible. Paul a souffert. Paul a dit quoi? Il dit, nous sommes au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. C'est ça, Paul le dit. Il dit, nous sommes un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Paul le dit. Dieu a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Paul le dit. Et non les premiers. Paul le dit, frère. Et c'est terrible. Paul dit, nous sommes, n'est-ce pas, persécutés, abattus et non perdus. Paul a été accusé faussement. Paul, dans 2 Corinthiens 10, on l'a traité de charnel. On l'a traité de dur. Il avait un caractère dur, que ses lettres étaient sévères. N'est-ce pas? Et Paul a tenu bon. Et il dira à Timothée, combat le bon combat. Donc c'est un combat. Le prophète authentique, mes amis, délivre les gens. Il subit beaucoup d'opposition. Et le prophète authentique également, quand il annonce les choses arrivent. Et ceux qui vont dire, ah oh non, mais eux, ils annoncent ce monsieur, je ne dis pas que je suis prophète. Oh non, il a annoncé des choses qui ne sont pas arrivées. Mes amis, en 2008, Dieu m'a dit que la marche pour Jésus à Paris allait s'arrêter. Oh, il y avait un fou ici à Paris qui a fait des vidéos pour dire, ouais, Dieu a confondu, je crois que tout, cette prophétie ne s'est pas réalisée. Comme je suis de plus en plus, mes amis, surveillé par les charlatans, par les religieux, c'est comme ça le rôle des pharisiens. Ils épient les enfants de Dieu pour, mes amis, les surprendre, hein, par rapport à leurs paroles, pour les accuser. Ce sont des pharisiens, c'est l'esprit des pharisiens. Et cet homme, Dieu l'a confondu parce qu'aujourd'hui, maintenant, il enseigne que Jésus-Christ est noir. Et ceux qui l'ont suivi hier sont dans la confusion aujourd'hui. Voyez? Que Dieu soit béni. Alors, aujourd'hui, effectivement, la marche pour Jésus, c'est plus comme avant, c'est fini. 6 mois après cette prophétie, le président de la marche pour Jésus a envoyé une lettre au président Sarkozy à l'époque pour lui dire que le préfet de Paris avait interdit la marche pour Jésus. Voilà. Frère, et le président de cette marche dira que je crois que tout m'a maudit. Qui suis-je moi pour maudire un chrétien? Au lieu de reconnaître que Dieu avait parlé. Voyez, frère, il y a beaucoup d'autres prophéties que le Seigneur nous donne, ici et là, qui se réalisent par sa grâce. Je ne dis pas que nous sommes prophètes, que je suis prophète. Les gens, les religieux, mes amis, s'opposeront toujours à l'œuvre de Dieu. Il y en a, ils s'opposent sans savoir pourquoi. Malgré eux, ils deviennent amis, ils s'associent. Et c'est comme si c'est Dieu qui les pousse à le faire. Donc le prophète, comme on l'a vu dans Jérémie 28, il dit une parole et ça va se réaliser aussi. Ça, c'est aussi une autre caractéristique du Seigneur. Et Dieu fait son œuvre, frères et sœurs. Et donc si vous êtes appelés par le Seigneur à crier, à sonner le chauffard, attendez-vous à être, n'est-ce pas, persécuté, rejeté. Donc on a vu au moins 3 caractéristiques du ministère prophétique biblique. La première, le prophète vient pour délivrer les gens. La deuxième, le prophète essuie de l'opposition. Il est rejeté, il est persécuté, il porte sa croix. La troisième, c'est la solitude. Jérémie était seul, Ésaïe était seul, Jésus-Christ était seul, Paul était seul, Moïse était un homme seul, Élie était seul. Vous voyez, Michée, on l'a vu, il était seul. Et les prophètes, une autre caractéristique vite fait, hein, parce qu'on va vous laisser le temps d'appeler pour poser des questions.
une quatrième caractéristique de la fonction prophétique authentique, le prophète ne mange pas dans les palais des rois. Jézabel avait une table autour de laquelle il y avait 850 faux prophètes. Et Élie, il mangeait où? Il mangeait dans le désert. Qui le nourrissait? C'était les corbeaux ou une veuve sidonienne. Voilà, mes amis. Et, tandis que les faux prophètes mangent les mets du roi. Et Daniel avait refusé les mets du roi. Prophète de Dieu, vous qui avez suivi cet enseignement, qui le suivez, ne mangez plus, ne buvez plus le vin de la débauche, ne buvez plus le vin de la débauche que propose la femme d'Apocalypse 17, ne mangez plus les mets du roi, sortez des associations pastorales, religieuses, ecclésiastiques, sortez de ces organisations complètement impies, antichristes, suivez Yeshua, sincèrement, honnêtement, vous serez lapidés, persécutés, rejetés, mais Dieu vous justifiera et vous aurez votre récompense là-haut, au nom de Yeshua. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Donc, demain, on va continuer cette émission. Hein, donc, les caractéristiques du ministère prophétique. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler pour éventuellement poser vos questions au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. On a accusé Jésus-Christ de toutes sortes de choses. Hein. On l'a accusé, hein, on l'a dit qu'il était pécheur dans Jean 9. Donc quand on dit que Chora est pécheur et qu'il a engrossé une femme ici et là, ça, mais ne soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués. Depuis 2006, j'attends cette femme et cet enfant. Que j'attends toujours. Qui dans la Bible, il a eu des enfants, je ne sais plus. Avec Elisabeth, ou je sais pas. Il y a même eu un film à part. Oh, le micro. Hein. Le micro. On n'entend pas ce truc. Apparemment, il y a eu un film et tout. Ouais, on dit que David Sicode. Voilà, on dit que Yeshua avait des enfants avec Marie de Magdala. Il a des frères et tout. Donc, si on a dit ça de Jésus-Christ, pourquoi on ne dirait pas ça de Chora? Vous ne voyez pas que ça ne tient pas, que quand on critique un frère, ça doit plutôt vous encourager? C'est biblique. Quand on dit que, non, ce frère, ce monsieur a 1000 villas, 5 villas, 4 villas, mais il faut dire aux gens, mais vous êtes jaloux? Il a volé votre argent? Non. Ben alors taisez-vous. Voyez, c'est simple. Oh non, il était avec une femme bizarre, tout ça, là. Mais attendez les amis, attendez. Ils vont jusqu'à mon passé pour dire qu'ils projetaient des films pornographiques, ce que je n'ai jamais fait. Jusqu'à m'inventer une identité que je n'ai pas. Voyez, mais c'est biblique tout ça, la frères et sœurs. Donc vous devez comprendre que c'est biblique. Nous sommes dans un temps difficile, le temps de la fin. Ça doit vous rassurer, vous encourager à persévérer, n'est-ce pas, dans la foi. Voilà. Allô, on a quelqu'un en ligne? Allô? Bonjour. Oui. Allô, bonsoir. Bonjour à tous les frères et sœurs sur le plateau. Bonjour Chora, c'est Laurence. Bonsoir Laurence. Je voulais un petit peu intervenir par rapport à ce qu'on a entendu aujourd'hui et c'est vrai que en tant qu'enfant de Dieu, on est réellement combattu. Moi, je le vis au quotidien dans ma propre famille et régulièrement, j'ai une mère qui est intellectuelle, hein, donc qui me dit « mais tu dois garder ton esprit critique ». Et ça, c'est terrible en me faisant comprendre, en me disant même carrément, oui, tu fais partie d'une secte, garde ton esprit critique. C'est terrible, c'est vrai que c'est assez dur d'entendre de sa propre maman que, c'est pas, elle n'est pas du tout, dans le... ne croit pas du tout en Jésus, quoi. C'est vraiment très, très difficile. Et puis en plus, d'être combattu par ses propres parents, c'est vrai que ça n'est pas facile. Mais en même temps, je crois qu'on doit tous être encouragés quand on est combattu comme ça, parce que ça veut dire qu'on est, on est près du bout. Amen. Près du bout. Amen. Et ça, c'est encourageant, je trouve. Amen. Et puis j'ai entendu la sœur, la jeune sœur là qui parlait, donc apparemment qui au départ était musulmane, je crois. Oui, c'est ça, oui.
Oui, et donc moi j'ai beaucoup, j'ai du métissage hein, chez moi, puisque ma grand-mère est musulmane. Et donc il faut savoir qu'il y a quand même 5 sourates dans le Coran qui dit au peuple d'aller lire la Bible, et que la sourate 49, la sourate 5, verset 49, dit que la première source d'inspiration du musulman doit être la Bible. D'ailleurs, le nom de Jésus est cité, je ne sais pas combien de fois dans le Coran. Est appelé la parole dans le Coran. Ils le reconnaissent en plus, certains musulmans. Oui, oui. Et Issa est appelé la parole, à plusieurs reprises aussi dans le Coran. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils reconnaissent que Jésus a été conçu du Saint-Esprit avec la Vierge Marie. Ils reconnaissent plus ou moins, voire plus pour certains, que c'est le Fils de Dieu, mais ils le mettent comme un prophète derrière Mahomet. Non, ils n'acceptent pas comme Fils de Dieu. Ils acceptent comme prophète, mais pas comme Fils de Dieu. Voilà, pour eux, c'est un blasphème. Enfin, voilà, mais ça dépend. Il y en a même qui reconnaissent qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Voilà, voilà. Le problème, c'est qu'ils le prennent dans le vrai sens du mot. Énormément, en tant que... On a dans le Coran, on a énormément d'arguments pour assurer que Jésus est bien le Fils de Dieu, est bien celui qui est à suivre, puisque déjà le Coran, dans cette sourate 49, je ne sais plus, c'est 49 verset 5 ou verset 5, 49, que justement la première source d'inspiration doit être la Bible. La Bible est donc ce qu'on appelle l'ancienne alliance avec la loi et Genèse, où il n'est parlé que de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci. Et vraiment, soyez encouragés parce qu'on a tous, et le frère Choral, je crois que il en fait toujours l'expérience et qu'il peut nous donner vraiment beaucoup d'encouragement de ce côté-là. Soyons combattus, c'est Amen. Notre Comme temps. Disent les jeunes, soyons blindés. C'est une grâce. c'est vraiment une grâce. Amen. Soyez bénis, parce que je crois qu'il y a beaucoup qui veulent intervenir aussi. Soyez tous bénis. Merci. Il y a un passage justement. Soyez beaucoup combattus. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 7, justement, verset 1er. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc on voit bien déjà, le Seigneur est obligé de se cacher parfois, hein, parce qu'on voulait le faire mourir. Attendez, mais c'est terrible quand même. Donc, c'est dans la Bible, hein, c'est écrit, mais pourtant, parfois on peut le zapper. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. C'est terrible. Tous les miracles que Jésus-Christ opérait, ses propres frères ne croyaient pas en lui. Alors, frères, sœurs, c'est normal que les gens ne croient pas en vous. Tout le monde ne va pas croire en vous. C'est normal, mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous décourager. Donc, ne soyez pas découragés parce que les frères et sœurs sont persécutés, sont critiqués. Au contraire, vous devez vous dire, ah ben, on ne peut critiquer que celui ou celle que Dieu a réellement appelé. Voilà, donc que Dieu soit béni, il faut continuer à servir votre Dieu et surtout pas chercher à vous justifier à chaque fois. Ça ne sert à rien. Voilà. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne, à moins que vous ayez quelque chose à partager, à dire. Hein? Donc quand les gens te disent ça, que fais attention à tes enfants, ils risquent d'être ensorcelés, comment réagis-tu? Le micro, près de la bouche. Ouais. Moi, c'est la... C'est la parole, quoi. La parole qui m'a... Touché, convaincu. Oui, convaincu. Hein, Alléluia. Tout ça. Voilà, okay. Des balivernes. Oui, ouais, vous êtes très convaincant. Ah oui. Franchement, vraiment, vous êtes très convaincant. Ça, c'est l'esprit à moi. On voit que c'est pas faux, quoi, c'est vrai. Amen. Oui. Ouais. Alléluia. Dieu est bon. Surtout le contrôle.
Okay. Le message de... Ça, de regarder autre chose et tout, parce que je suis agent d'accueil dans un service social. D'accord. Donc quand j'ai des moments calmes, j'arrête, voilà, et j'ai des collègues mais écoute la musique, regarde, je dis mais non, je suis bien, laissez-moi tranquille. Donc voilà quoi. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Déjà que Dieu vous bénisse tous. Je vais pas être très longue. Allô. Oui, on est là. Ah d'accord. Moi je voulais dans un premier temps encourager l'équipe TV de Vie. Bonsoir à tous, hein, pardon. Bonsoir. Je voulais juste encourager l'équipe TV de Vie parce que moi j'étais dans une église pendant 3 mois et demi et on m'avait pas du tout parlé de l'enlèvement de Jésus. Donc c'est grâce à TV de Vie que j'ai appris qu'effectivement il allait y avoir l'enlèvement, etc. Donc merci à TV de Vie pour ça. Et je sais que Frère Chora est très ouvert à la conversation et je voulais juste dire qu'effectivement c'est pas une bonne chose d'écouter les on-dit, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui apparemment demandent d'entrer en contact avec vous et apparemment c'est un petit peu compliqué, donc je voulais juste... Voilà, il présente ça un peu comme un blocage, donc c'était juste pour... Ah, qu'ils viennent, on est là, hein, on est là en tout cas, il n'y a pas forcément de rendez-vous à prendre, hein, donc le lundi, mardi, on est là, le samedi pour des émissions, pour... Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de... Voilà, tous les enfants, on est au service du Seigneur et des frères et sœurs. Mm-hmm. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bah, merci de votre réponse. Une fois de plus, je vous encourage. Et puis, bah, on se dit à très bientôt. Hein. On reste connectés, on se bat pour le Seigneur. Et puis, on continue. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonne soirée, merci. Soyez bénis, au revoir. Amen. Et demain, si Dieu permet, on va parler de l'opposition que Paul a essuyée. Hein? Donc, je crois que déjà l'opposition du Seigneur, on connaît, hein? Ce que ça, où ça l'a amené, hein? Donc à la croix pour nous sauver. Et même Dieu, lui-même le Créateur, le Père de notre Yeshua lui-même, qui est Dieu. Donc, Seigneur, et à l'heure actuelle, Dieu n'est pas plébiscité. Dieu a des opposants, même parmi les hommes. Vous voyez? Donc n'attendez pas à ce que tout le monde vous acclame. Moi, je ne m'attends plus à cela. Donc ne soyez pas troublés, ne soyez pas découragés si les gens vous agressent, si les gens vous accusent faussement. Frères et sœurs, Yeshua l'a vécu. Donc si vous êtes chrétien, si vous êtes disciple de Yeshua, Jean, dans Luc 6, 40, il est dit, tout disciple accompli sera semblable au maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? C'est écrit dans la parole, frères et sœurs. Donc, il faut être encouragé, fortifié et continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre en ligne. Vite. Voilà. Y a-t-il quelqu'un? Ok. Donc, chez les ADD, donc, comme vous dites, là-bas, c'est vraiment... c'est le feu, quoi. Ouais, c'est le feu, mais calme plat, quoi. D'accord. Le mouvement ADD, c'est vraiment compliqué. C'est un carcan, une forteresse où une fois qu'on est dedans, après, c'est... On n'en sort plus. Ouais, on n'en sort plus, quoi. Et quand on sort, eh bien, là, on ne nous comprend plus. Et après, on ne peut même plus parler de Jésus avec nos anciens, entre guillemets, frères et sœurs, parce qu'on n'a plus le même langage. Mmh. Voilà, déjà, la sanctification, c'est... On connaît à la limite les 10 commandements. Donc il y a un certain cadre, il y a certaines choses, mais comme il n'y a pas toute la vérité, eh bien, une seule goutte, ça met du levain partout, quoi. C'est ça. Donc du coup, ton nom est très très mal vu. Très très mal vu, en tout cas à Montauban. Waouh. Ouais. Mes amis, ce n'est pas évident. Hein. Vous savez, quand Dieu m'envoie ici et là, il y a des pasteurs qui se mettent ensemble, les ennemis s'unissent pour s'opposer à notre venue. Mais le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, sont debout. C'est ça qui m'encourage, en fait. Quand je vous vois tous, des frères et sœurs, voilà, donc on est là, on s'exprime, dans la liberté, pas de problème. Je me dis, non, il y a un peuple qui est là, il y a des enfants du Seigneur qui sont là, qui aiment la vérité, et ça, c'est très encourageant. Je voulais juste ajouter, ouais. Les vrais disciples de Dieu, les vrais enfants inter dans le Seigneur, et reconnaissent les vrais prédicateurs. Ah ouais. Parce qu'on forme tous un même corps, donc voilà.
on a tous, le Seigneur, on a le discernement de connaître vraiment ce qui prêche. Alors, ceux qui s'opposent bien sûr à cette action du Seigneur, ils vont aussi dire aux chrétiens, oh non, ne suivez pas l'homme, non, on ne suit pas l'homme. Et on connaît en fait ce type de langage. Et, mais Dieu fait, en fait, cette œuvre-là, l'œuvre que Dieu fait, pas seulement avec nous, mais avec tous ces enfants ici et là dans le monde entier, même des personnes qu'on ne connaît pas, personne ne peut détruire l'œuvre du Seigneur. Personne. C'est ça qui nous, c'est ce qui nous rassure, frères et sœurs. Donc, ce soir, nous avons voulu vous encourager à tenir ferme et encourager les vrais prophètes, s'ils sont persécutés, qu'il n'ait pas de doute sur leur ministère, sur leur appel. Hein, prophète, prophétesse, ne soyez pas découragés parce qu'il y a de l'opposition. Au contraire, c'est la preuve. Hein, c'est un signe. Hein, comme, si vous craignez Dieu, bien sûr, c'est un signe que Dieu marche avec vous. Ne soyez pas découragés parce que les gens vous accusent faussement. Ce n'est que le début. Donc, soyez fortifiés, encouragés. Vous savez, on va vous accuser forcément, mais l'Esprit de Dieu va attester dans les cœurs de ses enfants qui vous êtes. Donc, ne soyez pas, comment dire, choqués, découragés, blessés. Continuez votre marche. Seul Dieu vous justifiera. Ne cherchez plus la justification auprès des hommes. Délivrez le message que Dieu vous a donné. Le reste, c'est Dieu qui fera. Et ceux qui vous critiquent font et feront votre pub gratuitement. Du coup, ceux qui ne vous connaissaient pas vont commencer à faire des recherches sur vous et à découvrir le message que Dieu vous a donné. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Et nous vous donnons rendez-vous demain 20h30, hein, heure de Paris. Et nous saluons tous les bien-aimés du monde entier qui se lèvent délivrer le message véritable, pour annoncer le retour du Mashiach. Il revient nous chercher, mes amis. L'heure approche. Que son nom soit béni. Amen. Au revoir. Merci à chacun de vous et à